Pour Venise est une réflexion sur le pouvoir de la culture de résister et aussi une manière de questionner poétiquement la structure de la biennale et des biennales en général. Donc à l'entrée de mon espace vous verrez une image de Fontana, de Lucio Fontana qui retourne à son studio de l'Argentine où il est né et son studio est détruit par les bombes de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une image très emblématique parce que 20 ans après cette image, un groupe extraordinaire d'artistes et intellectuels italiens ont changé l'histoire. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Visconti a sorti un film qui s'appelait Obsession. Et en 1945, quand la guerre mondiale a terminé, vous avez eu Rossellini qui a sorti Rome, ville ouverte, avec un script de Fellini. Et 3 ans après, Vittorio De Sica sort un film qui s'appelle Voleur de bicyclette. Et ce n'est pas seulement dans le cinéma, vous avez dans la littérature, vous avez Moravia, vous avez Ungaretti, vous avez Pavese. Et ensuite, d'autres cinéastes comme Pasolini. Et ensuite, bien sûr, l'arrivée d'Antonioni, de Bertolucci. Moravia avait écrit en 1950 Il Conformista et Bertolucci en fait un film dans les années 60 avec Jean-Luc Trintignant. Donc, et ensuite, vous avez les artistes de ce qu'on appelle l'arte povera movement. Donc vous avez Pistoletto, Boetti, Calzolari. Tous ces gens arrivent. En 20 ans, l'Italie qui était sur ses genoux après la Deuxième Guerre mondiale, détruite moralement, physiquement, et recomposé par une culture italienne extraordinaire. 20 ans qui servent de modèle au pouvoir de la culture, ce que la culture peut faire pour affecter le change, pour changer les choses. Donc cette image, elle est là comme un emblème de ce que la culture a pu faire et bien sûr comme symbole de ce qu'elle pourrait faire aujourd'hui au milieu de cette crise. Et ensuite, vous entrez dans une zone où il y a un pont, comme tous les ponts à Venise, et sur ce pont se trouve une structure métallique qui contient de l'eau. Et il n'y a rien, elle est tranquille, mais chaque 3 minutes émerge une maquette parfaite du giardino, à échelle 1 à 60, avec ses 28 pavillons nationaux. Et elle émerge pour quelques secondes et elle disparaît de nouveau. Et ce mouvement aura lieu 24 860 fois pendant toute la biennale. Donc c'est une culture de résistance, c'est la culture qui émerge après la destruction de la Deuxième Guerre mondiale, mais qui meurt, et qui renaît et qui meurt, qui renaît et qui meurt. Donc pour moi, cela symbolise la culture de la résistance, comment la culture peut résister. Mais en même temps, il y a une deuxième lecture que j'invite à faire, c'est repenser poétiquement le modèle de la Biennale qui est complètement obsolète. Il y a 28 pavillons nationaux dans le Giardini, qui représente un ordre archaïque du siècle dernier. Il n'y a que 28 pays, il y a tous les acteurs du dernier siècle, il y a des positions de pouvoir, de relations de pouvoir qui sont absolument évidentes, où se trouvent les pavillons, leur architecture, etc., et qui ne correspondent pas à la réalité d'aujourd'hui. Donc ce que je demande au monde de l'art, d'essayer de créer une différence dans le monde. Donc je sais qu'on ne peut pas changer le monde, mais je demande au monde de l'art de ne pas au moins répliquer parfaitement les déséquilibres du monde réel.
Donc pendant que l'Europe devient une forteresse et expulse les immigrants et tout ça, je voudrais que le Giardini, le modèle du Giardini, change et ne répète pas ce que fait l'Europe. Donc c'est pour ça que je demande à repenser le modèle de la Biennale. Mais idéalement, quel modèle? C'est ça que l'artiste a-t-il encore un pouvoir? Quel modèle, idéalement, quel modèle? Le changer par quoi? La pièce ne donne pas une solution, demande une réflexion poétique sur ce sujet et invite les gens à penser. D'ailleurs, quand le modèle est à l'intérieur de l'eau, la piscine, l'eau se transforme en une espèce d'écran vide où le spectateur peut penser, réfléchir et projeter des idées, des possibilités, des spéculations, des alternatives. Ce n'est pas une idée nouvelle ni révolutionnaire. Germano Celante et Gillo Dolfi, en 1968, une année très spéciale, comme vous savez, avaient proposé de raser tous les pavillons du Giardini et de créer une grande structure qui serait un grand espace d'exposition qui serait plus généreux, plus ouvert à toutes les cultures.